Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de Pepito Live Costa Rica. Aujourd'hui, les gens, on se dirige vers le Panama. Donc, ce ne sera pas Costa Rica, ça va être Panama. En fait, nous allons apporter, lors de cette nouvelle saison Pepito Live, certains changements. Donc, Pepito Live Costa Rica deviendra simplement Pepito Live. Et ça, les amis, seulement parce que nous voulons faire davantage d'émissions, ouvrir les frontières de Pepito Live sur le Panama et également sur le Nicaragua. En fait, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour ouvrir notre nouvelle saison 21-22. Donc, merci d'être là aujourd'hui en cette journée un peu turbulente dans les réseaux sociaux. Je dois vous admettre que jusqu'à la dernière minute, on n'était pas trop certain de comment allaient évoluer les choses dans la réalisation de l'émission aujourd'hui. Mais bref, nous voilà. Et comme on dit en Amérique centrale, si Dios quiere, alors faut bien croire que Dieu l'a voulu parce que nous sommes là. Autre changement, les gens. On était vraiment heureux de vous annoncer que pour la première fois, en fait, oui, Pepito Live est diffusé sur YouTube. On vous invite à vous abonner sur YouTube pour voir toutes nos émissions en différé puis celles à venir. On est diffusé également sur Facebook, c'est Dios quiere, comme on dit. Et également, pour la première fois aujourd'hui, nous sommes live en direct, en fait, à partir du compte Pepito Live sur Twitter. Également, les amis, dans les nouveautés que nous allons vous annoncer cette saison, également, vous allez voir, oui, que nous allons ouvrir nos portes vers le Panama et vers le Nicaragua également, mais également, nous allons ouvrir nos portes aux commanditaires. Donc, dans la prochaine programmation que vous allez voir cette saison, nous allons avoir des commanditaires qui vont nous permettre, en fait, d'appuyer l'émission et qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir non seulement continuer cette réalisation, mais également, évidemment, améliorer le contenu. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran maintenant, déjà, il y a une bannière qui est en train de passer dans le moment, alors où on veut souligner la participation et remercier deux commanditaires qui permettent la réalisation de cette émission aujourd'hui. Il s'agit de International Relocation Partner, en fait, qui œuvre au Costa Rica et au Panama, de même que l'agence Panama Facile, notre chère amie Sylvie Terrain et toute son équipe et d'experts, en fait, qui permettent, en fait, l'établissement des expatriés au Panama. Donc, bien heureux d'avoir leur participation dans l'émission. Donc, justement, aujourd'hui, un rêve devenu réalité au Panama avec Jay. Quelqu'un de bien spécial, vous allez voir, donc une expérience des plus intéressantes. Et également, nous allons en profiter pendant cette émission pour vous donner, en fait, une histoire vécue, une histoire réelle, également des conseils pratiques et des opinions qui pourront probablement vous aider si vous aussi, en fait, vous avez le goût de faire le saut. Les amis, on vous rappelle également que vous pouvez faire des commentaires via la section clavardage de l'émission à travers Facebook, peut-être, et également, évidemment, à travers notre canal YouTube, donc Pepito Live. Donc, avant de poursuivre et vous présenter notre invité, nous allons vous présenter un petit message de bienvenue de la part de Sylvie Terrain, une commentatrice. Bonsoir à tous, c'est Sylvie Terrain de Panama Facile, en direct du Panama. Si vous souhaitez vous installer ou investir au Panama, je suis à votre écoute. Vous trouverez toutes mes coordonnées. Je suis très contente de sponsoriser cette émission qui sera, je n'en doute pas, très sympathique et très intéressante. À très bientôt! Alors voilà les amis, et sans plus tarder, on en profite pour vous présenter notre invité spécial aujourd'hui, Jay. ¿Cómo estás? Buena, buena. Et tout papa, comment ça? Muy bien, muy bien. Alors, Jay, bon, maintenant, là, nous, aujourd'hui, on traverse les frontières, on s'en va au Panama. Jay, tu es établi au Panama depuis déjà un petit bout de temps. Tu travailles dans la réalisation d'un projet. Donc, on va, avec les gens aujourd'hui, découvrir un peu ton expérience qui vous a amené là, tout ça, comment ça a évolué, votre projet, les défis, bon, les conseils que vous avez donnés, que vous aurez à donner, évidemment, aux gens. Donc, Jay, avant,
Ben, donne-nous brièvement un petit aperçu de qui est Jay exactement, ton cheminement, où tu es né, et puis bon, qu'est-ce qui t'a apporté évidemment vers le Panama? Bon, donc je suis né en France, j'ai vécu 25 ans en France et ensuite première expatriation au Québec pendant 18 ans, à Montréal surtout, et depuis 2 ans au Panama. Mm-hmm. Parfait. Et puis, la première question que nous allons aborder, Jay, avec vous aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui a apporté disons, un projet comme ça. Donc, qu'est-ce qui a été, tu sais, dans le fond, là, votre cheminement? Pourquoi décider de s'expatrier? Bon, c'est sûr que j'apprendrai rien à personne. Là. Au Canada, il fait fret. Il fait fret pendant... L'hiver est un peu long, mettons 6 mois. Donc, les 10-12 premières années, ça allait bien, mais les dernières années, on a trouvé ça dur. Et au final, ce projet-là d'expatriation en Amérique centrale au soleil, c'est quelque chose que je planifiais depuis à peu près 10 années à travers plusieurs voyages. Donc, c'est ça, c'est vivre au soleil et à la plage et aussi se créer une activité au contact de gens qui sont en vacances et qui profitent de la vie. Au travers de tous ces voyages, à chaque fois qu'on voyageait, on allait des petits hôtels comme la structure qu'on a. Et les hôtels, c'était la propriété d'expatriés. Donc, à chaque fois, on se disait, bon, ben, eux, ils l'ont fait. Pourquoi nous, on le ferait pas? OK. Excellent. Donc, là, maintenant, vous avez décidé de vous expatrier. Et puis, bon, quand vous avez pris cette décision-là, vous aviez ce rêve-là, est-ce que vous avez considéré différents pays? En fait, qu'est-ce qui vous a amené plus particulièrement au Panama? Ah, c'est sûr, comme pendant ces 10 années-là, j'ai visité plein de pays, Mexique, Équateur, Nicaragua, Costa Rica, Colombie, on s'est promené un peu partout et à chaque fois, c'était pas des vacances, c'était des road trips où il fallait visiter le maximum de places, rencontrer le maximum de gens pour voir les défis que les expatriés vivaient. Donc c'est des road trips. J'allais pas là en tout inclus, assis sur une chaise toute la semaine. Ça, c'est pas comme ça que tu prends le beat d'un pays. Et donc, au final, on a dessiné le Panama. On était très, 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 très chaud pour le Costa Rica, juste avant les événements qui se sont passés au Costa Rica il y a 3-4 ans. Et c'était un moment où le tourisme explosait complètement au Nicaragua. Pardon, pas le Costa Rica, le Nicaragua. C'était un moment où le tourisme explosait complètement au Nicaragua. Mais malheureusement, avec les événements, le tourisme s'est effondré. Et on s'est orienté sur le Panama. Pourquoi le Panama? Parce que il y a c'est le dollar US qui est ici, ok. Il y a une stabilité économique et sociale à cause du canal. C'est facile d'obtenir la résidence par rapport aux autres options qui existent, par rapport au Nicaragua, par rapport au Costa Rica, c'est beaucoup plus facile de l'obtenir. C'est facile de monter un business, facile d'acquérir la propriété. Tout est en ton nom. T'es pas obligé de t'associer avec des locaux. Et aussi, ce qui est intéressant par rapport à l'activité qu'on voulait créer, c'est que les locaux, les Panaméens, ont la capacité monétaire de s'offrir des week-ends ou des semaines dans des hôtels, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Donc, les saisons mortes sont quand même occupées, ne sont pas vraiment des saisons mortes. On travaille toute l'année, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la saison des pluies des autres pays, qui est beaucoup plus calme. OK. Donc, focus Panama. Et puis là, par la suite, donc là, maintenant, vous êtes établi à ce qu'on appelle Coronado. Playa Coronado. Si, claro. Ah, donc, parlez-nous un peu de Playa Coronado. Puis un peu, Jay, qu'est-ce qui vous a apporté au projet donc avec lequel vous êtes établi dans le moment? Ouais, nous, on a eu la chance. En fait, notre projet initial, c'était de partir de Montréal en truck camper, de descendre pendant 6 mois jusqu'au Panama et ensuite pendant 6 mois de visiter le Panama.
et pour trouver notre spot où s'établir. Et en fait, un dimanche, je suis descendu à New York pour voir un truck camper. Finalement, il était beaucoup plus beau en photo qu'en vrai. Donc, on est remonté à Montréal un peu déçu. Et je me suis remis sur Facebook pour essayer de trouver d'autres campers. Et en cherchant sur Facebook, j'ai vu un message sur le groupe d'expats de Coronado de quelqu'un qui cherchait des gens pour s'occuper de son bed and breakfast pendant 6 mois, pendant toute la saison morte. Et là, j'ai dit, ben écoute, je vais la contacter. Là, ça pourrait être une super opportunité. Et c'est une opportunité qui s'est concrétisée. Donc, on a abandonné le trip, le road trip, et on est venu directement ici. On est venu à Coronado et on s'est occupé directement de ce bed and breakfast. Donc, ça a été une super opportunité parce que ça nous a permis de voir si c'était quelque chose qu'on aimait, qu'on était capable de faire, de voir ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, de voir le potentiel au niveau financier, si c'était viable. Tous les aspects qu'on avait besoin de savoir, en fait, ça nous a permis de créer des liens pendant ces 6 mois, de commencer à prévoir la construction et de visiter. Je pense qu'on a visité plus de 50 maisons à Coronado au final. Et on a visité tout le Panama aussi. On était à Coronado, mais comme c'était la saison morte, il y avait des semaines qui étaient assez tranquilles. Donc, on prenait la voiture, puis on était aux quatre coins du Panama pour voir s'il y avait d'autres endroits qui nous plaisaient. Et oui, il y a un autre endroit qui nous plaisait, qui était beaucoup plus isolé, qui est la région de Marietto, Veraguas, qui, à mon avis, est une région qui va être très populaire dans 5-10 ans, mais le temps que ça se développe. Mais au final, on n'était pas prêt à faire un projet de cette ampleur dans une région aussi isolée, parce qu'en termes de logistique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, pour les gens, par exemple, pour les gens qui veulent faire le move, ben ça, c'est quelque chose à considérer. Tout le monde a envie comme, OK, je fais le move, je veux vivre au milieu de la jungle avec les singes et les iguanes, mais à un moment donné, il y a de la logistique derrière pour vivre là. Puis c'est des régions où l'internet il vient quand il y a du vent, tu vois. Donc on s'est dit Coronado, tout est à proximité, les services de santé, il y a plein de magasins, il y a 5 supermarchés autour. Il y a tous les magasins de construction. La ville est seulement à 1h15. Donc, c'est vraiment un endroit qui est facile à vivre pour une expatriation en Amérique centrale. On s'est pas mis, on a choisi un peu la facilité. Et aussi, pendant ces 6 mois, on a commencé à faire la pratique du surf. On faisait déjà du snowboard. Moi, j'ai fait du skate longtemps. On a commencé à faire du surf pendant les 6 premiers mois. Puis on est tombé en amour avec ce sport. Puis on est devenu complètement accro. Et on a la chance d'avoir une plage juste à côté de l'hôtel qui amène une vague qui est très facile pour les débutants et pour les intermédiaires et progresser. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi chercher ailleurs? Là, c'est parfait. Excellent. Bon, justement, il y a une question de Yves Laverdière qui dit « J'ai visité une cinquantaine de pays, mais pas encore le Panama. Pourquoi irais-je voir Playa Coronado? » Vous avez répondu un peu dans son ensemble. Disons, donne-moi 3 coups de cœur pour Coronado. Je vais répondre à Yves spécialement. Il a déjà visité 50, fait qu'il est pas, il peut aller à 51. Hein, ça ne sera pas compliqué. Exact. Mais pourquoi Playa Coronado? Ben, tu vois, en ce moment, c'est ça. Surtout en ce moment, c'est Playa Coronado est hyper facile d'accès. Là. Yves Laverdière, à mon avis, vient du Canada. Donc, tu vois, il y a des vols directs à partir de Montréal ou Toronto, direct à Panama City, et vols directs à Rio Hato, qui est à 40 minutes d'ici. Maintenant, quand on est vacciné, il n'y a plus besoin de test PCR. Donc, c'est très facile d'accès, juste à 1h15 de la City. Donc, quand il arrive, il peut visiter la City. Après, il prend une voiture ou il prend un transfert et il vient nous voir ici. Et il y a les montagnes, il y en a. Donc, pour les points forts de Coronado, ce qui est le fun, c'est qu'on a la plage, donc, même 2 plages. On a Playa Coronado en face, Bahia Serena, juste à côté de l'hôtel, mais il y a plein de plages tout le long de la côte, à 15, 20, une demi-heure, 40 minutes. Il y a plein de plages à découvrir. Et à moins d'une heure, il y a plein de randonnées en arrière dans les montagnes. Donc, quand il fait trop chaud à la plage, on prend sa voiture, on va dans la montagne, on va se baigner dans les cascades.
Et c'est formidable. Et il y a plein de petits restaurants dans le coin avec une communauté d'expatriés ou des restaurants avec pas des expatriés si on n'a pas envie de rester avec ces autochtones. Et donc, c'est parfait. Alors, parlant d'activité, regardons, Jay, ce petit vidéo. Ça, c'est Caronès de Tchamé, les canyons de Tchamé. C'est à 45 minutes d'ici. Et tu peux passer une journée complète là-bas et du fun pour tout le monde là-bas. Très absolument. Cool. Très beau absolument. Spot. Très beau spot au milieu de la nature. Donc là, focus sur votre projet. Donc, ce projet que vous appelez Casaswell. Yep. Comment c'est arrivé, Jay, là, brièvement, là, là, vous avez expliqué un peu le cheminement, donc, vous avez, tu sais, travaillé, vous avez testé si vous aimiez ça, et le projet lui-même, là, Casaswell, ben, quand vous avez pris ça en main, là, c'était pas comme c'est aujourd'hui, là. Hey boy, non. Non, en fait, c'est comme je te disais, on a visité une cinquantaine de maisons ici. C'était comme Playa Coronado a été développé il y a une vingtaine d'années, pour les Panaméens, tout d'abord, de Panama City. Donc, c'est beaucoup c'est comme résidentiel, des maisons de plage. C'est un peu le Tremblant de Panama City, on va dire. Et donc, il fallait trouver une propriété, mais une propriété qu'on pouvait transformer en bed and breakfast. Et ouais, ça n'a pas été facile parce que il n'y a pas tant de propriétés accessibles, qui étaient accessibles à notre budget, et qui était assez proche de la plage et dont la structure existante pouvait fonctionner. OK, excellent. Ouais. Donc, maintenant, là, parlant de Casaswell, justement, vous avez fait un petit montage vidéo qui va nous permettre, justement, d'environ une minute et demie, là, de voir un peu le cheminement de votre projet. On regarde ça. Yeah. Bravo, félicitations. C'est pas fini encore, on continue, mais parce que c'est pas tout de faire un projet parfait, d'avoir fait une place magique, mais après il faut focuser sur le service à la clientèle puis s'occuper bien des clients. Donc la première étape est passée, mais encore il y a toujours du travail. C'est ça qui est le fun aussi. Puis justement, Jay, parce que là, vous avez là, en fait, là, c'est tout nouveau, en fait, encore un peu comme projet, c'est pas terminé. Donc, C'est terminé, mais c'est un nouveau business. Donc, ça fait huit mois qu'on est ouvert, tu sais, huit mois, c'est rien pour une business. Donc,
On est content. On a des super reviews dès le début. Les gens ont adoré ça. On a des clients qui reviennent. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Mais on travaille fort pour aussi. Absolument. Tantôt, en fait, dans une minute, on va montrer, en fait, un petit vidéo, en fait, du produit un peu fini maintenant. Maintenant, est-ce que, Jay, là, quand est arrivée finalement la pandémie, est-ce que vous avez eu peur un peu, vous avez vu arriver ça? Est-ce que ça vous a posé des défis spéciaux? Oui, solide. Écoute, c'est sûr quand on a vu arriver ça, comme tout le monde, on s'est dit, bon, ben, nous, on a commencé en décembre 2019 les travaux, puis en juin, juillet, on devait avoir fini. Donc, quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, bon, ben, ça va être août-septembre, hein, ça va décaler d'un mois, là. Je pensais jamais que ça allait, comme tout le monde, là, que ça allait être aussi intense et que ça allait durer aussi longtemps. Donc, après, en termes de challenge, ben, on s'est retrouvés tous les deux sur le chantier au 15 mars pendant 3 mois et demi. Donc, on a commencé à travailler tous les deux. Ben, on travaillait déjà avant, mais là, on était juste à travailler tous les deux. Et au bout d'un moment, ben, on s'est retrouvés sans matériaux parce que, à la différence du Québec ou du Canada ou de l'Amérique du Nord ou de l'Europe, les magasins ont fermé ici. C'était vraiment les commerces essentiels. Il y avait juste les supermarchés. Les Rona de ce monde étaient fermés. Donc, on s'est retrouvé sans matériaux et on a dû faire preuve de créativité. Donc, tu vois, par exemple, la balançoire où je suis assis, ben, c'est les pins qu'on avait dû couper, qui allaient endommager la piscine. Donc, on a coupé les pins, on a fait les comptoirs avec, on a fait les balançoires avec. J'ai récupéré toute la structure du toit pour faire des luminaires, pour faire des tables, pour faire des meubles. Tous les 2x4 du toit coupés en 1x4 pour faire du revêtement mural dans une des chambres. Bon, toutes les grilles normalement qui sont installées sur les fenêtres dans ce type de maison-là, à une époque où il n'y avait pas de caméra et comme c'était des vieilles maisons, les grilles, on les a retournées. Puis tu vois, c'est les lits en arrière de moi, ben, ils sont faits sur ces grilles-là. Donc, on a fait preuve de créativité. Puis ce qui est cool dans ce processus de recyclage, c'est que des fois, tu fais des processus comme ça, puis le résultat est pas super, mais là, tous les clients trouvent ça cool ce qu'on a fait. Et après, ce qui a été dur pour la pandémie aussi, c'est qu'on avait plein d'amis du Québec qui devaient venir nous aider parce qu'ils trippaient sur le projet. On avait des menuisiers, on avait des électriciens, on avait des gars de clim qui devaient nous aider à installer tout ça. Mais avec la pandémie, personne n'a pu venir. Donc, on s'est débrouillé tout seul, quoi. Oui. Puis, évidemment, là, ben, il y a un commentaire aussi à l'écran. Bon, ayant vu la maison... Au début, ils ont travaillé très fort, eux. C'est Christophe Mazdada qui ont un B&B comme nous, qui sont arrivés il y a 5 ans, Casa Morito, à Playa, à Santa Clara, 45 minutes d'ici, très beau Bed and Breakfast aussi. Et ils ont vu tout le projet. Mettons, je suis pas mal sûr qu'ils se sont grattés la tête plusieurs fois puis qu'ils se sont dit comment ils vont faire ça. Et ah, c'est oui, normal. Hein. Et nous, ça aussi, ça a été dur pour nous parce qu'on s'est souvent, on voyait les choses arriver, on voyait que ça débloquait pas, puis on travaillait tous les jours là-dessus et on se disait mais attends, on est en train de faire un projet qui ça va être vide en fait. Il y a personne qui va venir parce qu'il y aura pas de touristes. Quand est-ce ça va revenir? Donc, c'était vraiment dur psychologiquement de continuer à s'investir là-dedans, à mettre de l'argent là-dedans, en sachant que peut-être il n'y aurait pas de rentrée d'argent avant 1 ou 2 ans, on ne savait pas. Mais on a travaillé comme des fous parce qu'on a commencé et le fait de s'investir à fond, c'est ça qui ça nous enlevait le stress de la pandémie, ça nous empêchait d'y penser en fait. Donc là, à part, disons, les défis liés à la pandémie, Jay, pour les gens qui regardent ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de partir de la France, de la Belgique, de l'Europe, du Canada, partout, puis qui visent l'Amérique centrale, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, puis qui rêvent de faire ce genre de projet-là. Donc, Jay, toi, qu'est-ce qui a été une des plus grandes surprises ou un des plus grands défis auquel tu t'es confronté, là, mis à part la pandémie, avec ton projet ou ton déplacement?
Tu sais, en fait, ce que je vois, tu sais, je suis inscrit sur tous les groupes d'expats, là, Nicaragua, Costa Rica, tout ça, puis notamment depuis la pandémie, là, je vois plein de messages passer. Hey, je vends tout, je m'en vais au Costa Rica, j'arrive dans 3 semaines, comment ça marche? Ben, mettons, moi, pendant 10 ans, là, j'étais sur ces groupes-là, puis j'ai lu tous les commentaires, là, puis j'ai lu tous les blogs d'expats, là, en long, en large et en travers, et faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet, là. Il y a bien des choses qui sont pas vraies. Mais en fait, faut que les gens soient préparés. Si t'es prêt, les défis, tu vas les surmonter. Si tu sais pas où tu t'en vas, si tu penses que ça va se faire tout seul, si tu ne sais pas combien coûte la nourriture, si tu ne sais pas combien ça va te coûter ta voiture, si tu ne sais pas combien coûtent les propriétés, si tu ne sais pas comment les négocier, si tu ne parles pas un seul mot d'espagnol, ça va être compliqué un petit peu. Et surtout l'adaptabilité, là, ici, et tout est plus lent, il n'y a rien qui, c'est rien à voir avec l'Europe ou l'Amérique du Nord, là. C'est rock'n'roll, comme on dit, là. Donc, si t'es pas adaptable aussi, si t'as pas de patience, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ce move-là en Amérique centrale. Mais c'est valable aussi, tu sais, pendant 18 ans, j'étais au Canada, là, puis j'en ai vu arriver des Français, là, et pareil, pour le français, le Québec, là, c'est l'Eldorado, là. Et il y a des gens qui arrivaient, puis ils repartaient au bout de 2 ans parce qu'ils n'avaient pas fait leur devoir et ils ne savaient pas où ils s'en allaient. C'est ça. Absolument. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi? Et même nous, excuse-moi, je te coupe, là. Oui. Et même nous, avec toute cette préparation et en ayant scruté plein de pays, en sachant à quoi s'attendre, avec Eva qui parle espagnol couramment, qui a vécu en Argentine, qui vient d'Argentine, même nous, on a eu plein de choses pas prévues et la culture panaméenne, la société panaméenne a ses spécificités auxquelles il faut que tu t'adaptes et voilà. Ben, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit qu'est-ce qu'on a fait là? Ah ouais, tout le temps. pendant la pandémie, quand on savait pas ce qu'on allait avoir de clients, je me le suis dit pas mal de fois. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait là, parce que t'investis ce que t'as gagné pendant des années, puis tu t'investis dans le tourisme au pire moment du tourisme. On se l'est dit pas mal souvent, là, mais regarde. Et puis on était juste tous les deux, tu vois. On venait d'arriver, on avait quand même un petit groupe d'amis, mais là, la pandémie est arrivée, tout ça, ça s'est cassé du jour au lendemain, plus personne ne voyait plus personne. Et là, on se retrouvait tous les deux sur un chantier pas fini, avec des trous partout, des trucs pas finis. C'était quelque chose. Absolument. Donc là, maintenant, bon, l'hôtel est construit, tout ça, c'est ouvert, tout ça, comme tu disais, il y a encore de l'évolution à faire, tout ça. Mais bref, pour les gens qui regardent ça, donc là, toi, plus ou moins, tu as réalisé, tu es en train, Jay, de réaliser ton rêve. Une journée normale pour Jay à Casasuel, bon, brièvement, ça ressemble à quoi? Ça dépend. Ça dépend s'il y a des vagues ou s'il n'y a pas de vagues. OK. S'il y a des vagues, on s'arrange pour être sur les vagues, mais on est là quand même. Tu vois, c'est ça qui est cool, c'est qu'on commence à se monter une petite clientèle de surfeurs. Donc, quand il y a des vagues et des surfeurs, on va surfer avec eux, on leur montre les spots. Mais même des clients pas surfeurs, ils viennent avec nous à la plage. Là, ils voient que la vague, tu sais, ils disent « Ah non, je veux pas faire de surf ». Ils voient que la vague, elle est facile, que c'est hyper sécuritaire. Puis le lendemain, « Ah, ben, je vais prendre une leçon finalement ». Puis après, ils trippent. Mais sinon, ouais, là, à part le surf, là, on fait pas du surf toute la journée, là, malheureusement. Mais à part ça, ben, ce qui est cool, c'est que tu te lèves le matin, on fait les déjeuners, il fait beau, il fait soleil, les oiseaux chantent, et on travaille avec des gens qui sont de bonne humeur. Les gens sont en vacances. Donc, c'est le fun. C'est le fun de travailler avec des gens qui sont en vacances. Et ça change de travailler dans un bureau avec des challenges pour avoir la promotion, puis la place de l'autre, puis les gens qui se tirent dans les pattes. Tu vois, ce matin, à 6h du matin, on était à la plage, on surfait. Il est lundi matin, puis à chaque fois que je vais surfer un lundi matin, à chaque fois, je me dis, ben, il y a 3 ans, j'étais sur la 40, là, dans le trafic, à aller au bureau. Donc, oui, ça a été tout un process pour en arriver là. Ça a été rock'n'roll et ça aurait pu peut-être mal tourner. Mais aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont acheté des B&B sans même les faire, là.
ils sont venus avec de l'argent, qui ont acheté des BNB, puis au bout de 2 ans, ils se sont rendus compte que c'était pas pour eux, parce que c'est du travail, un BNB, là. Si tu veux avoir du succès, c'est du travail. Parce que les gens, quand ils s'en vont, ils laissent des commentaires, là. S'ils sont pas contents, ils vont le dire, là. Puis si tes notes, elles sont pas bonnes, ben, t'en auras pas de clients. Donc, on fait en sorte de s'occuper des gens. On s'occupe ici, on habite au bord de la mer. Les bâtiments demandent beaucoup de maintenance. Donc, il y a de la maintenance à faire. Le jardin, ça pousse à 200 à l'heure. On a des jardiniers, mais ils viennent pas tous les jours. En tout cas, il y a du travail. Il y a du marketing de l'hôtel à s'occuper, comme c'est nouveau. Faire la promo, faire des vidéos, faire des posts. Et ça, c'est des choses qui passe après le service à la clientèle. Et tu sais, moi, j'ai un ami, en fait, avec qui j'échangeais à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent ça un petit hôtel, un petit Airbnb, tu sais, genre de choses, tu sais, bed and breakfast, tout ça. Puis, en fait, j'avais eu une discussion avec quelqu'un à un moment donné qui avait vécu ce projet-là, puis lui, la façon dont il l'avait décrit, il disait, tu sais, un bed and breakfast ou un petit hôtel, dans le fond, oui, c'est beau de l'extérieur, ça paraît très exotique, mais de l'intérieur, dans le fond, c'est un peu, lui, il l'avait décrit comme une prison dorée en disant. Une prison dorée, mais. Ouais. Ça l'opère 365 jours par année, 24 heures par jour, 7 jours semaine. On le vit un peu des fois, c'est sûr, il faut que tu sois toujours là, mais ce qui est vraiment cool, c'est que le type de projet qu'on a fait et comme on l'a designé, on a vraiment une belle clientèle, on a vraiment des gens de fun, donc. Tu sais, ce week-end, on a eu un Français, je te donne un exemple, on a eu un Français qui est en voyage d'affaires à Panama City et qui est venu faire du surf ce week-end, c'est un surfeur. Et il est parti ce matin, puis il nous a dit, hey, c'était vraiment cool, j'ai vraiment eu l'impression de passer le week-end avec des amis, tu vois. Et donc, c'est un peu l'idée. Si tu veux, le concept ici, c'est que le but des voyages, c'est rencontrer des gens. C'est pas que rencontrer des gens, découvrir un pays, oui. Mais c'est le fun de rencontrer des gens d'autres pays, d'échanger. Et nous, on l'a construit pour ça. Les gens, on a une cuisine commune, les gens, ils cuisinent ensemble, ils font des barbecues ensemble, ils font des apéros ensemble. Après, ils s'organisent des activités ensemble et ça, c'est cool. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a réussi. Parfait. Et juste une petite parenthèse. Donc, c'est moi, je m'en viens à Casasuel. Donc, le climat là-bas, là, brièvement, sur un an, est-ce que vous avez un peu comme une saison, un été, et puis une saison des pluies, un peu comme nous, on a au Costa Rica, ça ressemble à quoi chez vous? Mais c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est installé à Playa Coronado, parce qu'on est sur l'Arco Seco. L'Arco Seco, c'est la côte pacifique à ce niveau-là, qui est protégée par la péninsule Azuréo en dessous, c'est-à-dire que les nuages qui arrivent du Pacifique vont frapper la péninsule. Et après, ils contournent pour aller directement plus bas vers Panama City et le Darién. Donc, ils ne rentrent pas chez nous. Donc, on a beaucoup. Et en arrière, on a toutes les montagnes de Valle de Anton. Donc, on est beaucoup plus protégés. Comme je te dirais, c'est notre troisième saison des pluies. Mais tu vois, on a une, voire deux grosses pluies par semaine. Et plus une. Donc, c'est vraiment très, très vivable. La majorité du temps, il fait soleil. Et même les grosses pluies, il pleut. Quand je te dis une grosse pluie, c'est une grosse pluie pendant 2 heures. Mais c'est rare qu'il pleuve toute la journée. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi le Panama et qu'on a choisi Coronado. Parce que moi ça ne m'intéressait pas de passer. Je m'en allais de 6 mois d'hiver. Là, ça ne m'intéressait pas de passer à 6 mois de pluie. Là. Même si c'est de la pluie chaude là et après pour les gens qui veulent venir en vacances, moi je préfère la saison des pluies et plein de gens me l'ont dit aussi, tout est verdoyant, il y a plus de vie au niveau de la faune aussi. Et ici là, les Panaméens là, quand il pleut là, ils s'arrêtent pas de vivre là, ils restent dans la piscine, ils restent à chiller dehors là, c'est comme au Québec en hiver quand il neige là, il y a personne qui s'arrête là, tout continue. Ouais. Là, ici c'est pareil. Là, Jay, on va se dire les vraies affaires parce que ouais. Là, je vois que là, à ta droite, je crois, là, je vois que. Et, mais paraissait une bière. Si, ah, une cervecita. Une cervecita, OK. Si, on va dire aussi une bière. Puis, c'est quoi la bière nationale à boire quand on va aller chez vous à Casasuel? Eva, tu peux me passer une Panama? Eva, tu vas voir, c'est facile, une Panama. Tu vas voir, c'est très facile. Il y a deux options, là. OK, il y a deux options. Et okay. L'option, c'est écrit Panama dessus, tu vois. OK, bon. Et l'autre, c'est écrit Balboa.
Et okay. le balboa, c'est la monnaie du Panama. Si. OK. Donc, on est tout équipé, on sait où atterrir, on sait où aller, on sait où loger. Ce qui est très cool aussi, attends, je vais te faire voir autre chose, ce qui est très cool, oui. C'est que comme partout dans le monde, ils ont développé ils ont fait des bières artisanales. Donc, il y a plein d'options de bières artisanales. Et on a des clients belges, les effets goûter aux Belges, qui sont, on s'entend que la Belgique, ils savent ce qu'ils font au niveau de la bière. Et ils m'ont tous validé qu'elles étaient très bonnes. Bon. Là, Jay, en terminant, maintenant, on a parlé un peu de l'évolution, on a parlé de votre projet, tout ça. Là, maintenant, pour les gens justement qui regardent, un ou deux conseils, Jay, que tu pourrais partager, pratico-pratique, là, qui viennent du fond du cœur pour les gens là, qui te regardent et qui disent « Ah, oh, il est donc chanceux! » moi, je vends tout, puis justement, je m'en vais là dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Conseils pratico-pratiques pour les gens qui voudraient réaliser ce rêve, ce serait quoi? Mais comme je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais rajouter quelque chose. Il faut être préparé, il faut passer du temps sur Internet et lire. Il y a plein de blogs d'expats, il y a plein de groupes d'expats. Sur les groupes Facebook d'expats, vous vous inscrivez, vous posez vos questions, vous faites les recherches et vous voyez les réponses. Mais après, il y a du vrai et du pas vrai, donc il faut faire le tri. Mais l'autre chose, le luxe, nous, qu'on a eu, c'est de... On avait déjà passé 2 mois au Nicaragua, quand on avait le Nicaragua comme idée. Et là, on a pu passer 6 mois ici à s'occuper d'un bed and breakfast. Donc, le luxe, c'est de pouvoir dire, OK, je quitte tout. Donc, au niveau financier, je peux me permettre de tout quitter et je me fais une première démarche de pré-expatriation, de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois dans le pays que je recherche. Puis le 6 mois, là, je ne conseille pas à personne d'acheter une propriété en moins de 6 mois. Là. C'est peut-être pas une bonne idée parce que tu vas peut-être découvrir des choses du pays que tu n'aimes pas. Donc, le louer le plus longtemps possible tout en préparant le projet, ou le house sitting aussi est assez à la mode. Vous pouvez vous occuper de maisons d'expats qui, eux, retournent dans leur pays. Ça se fait aussi. Je pense que tu connais bien Pat et Kat qui ont fait de D-Bus Life. Là. Ils étaient à Playa Coronado il y a 1 mois. On a fait plusieurs barbecues avec eux. Je les ai rencontrés par hasard sur la plage parce que j'avais été à leur conférence à Montréal avant que nous fassions notre move. Ouais, et tu vois, ce qui est très cool de eux, c'est que ces gens-là, ils sont faits de l'Alaska à Ushuaia avec leur bus. Ouais. Ils ont traversé tous les pays et dans leur démarche, c'était ça, c'est voir éventuellement où s'installer. Et au final, on les a vus à Coronado parce que le Panama est une option. Et eux, ils les ont tous fait, les pays, là, en long, en large, en travers. Donc ça, c'est cool pour nous aussi parce qu'on se dit, bon, ben, on a fait un choix pas pire, je pense. Ben oui, ben en fait, là, on parle de Catherine et Patrick, en fait, qui sont des bons amis à Caroline et à moi aussi, en fait, qui ont séjourné même chez nous, ici au Costa Rica. Donc, les gens, si vous n'avez pas de qui en parle, on les a eus comme invités spéciaux à Pepito Live. Donc, allez voir Pepito Live sur YouTube, The Bus Life, D comme Delta, Bus Life, et puis une émission des plus intéressantes. Là, Jay, ils sont adorables. Oui, je veux qu'on regarde un peu le vidéo maintenant de Casaswell maintenant. Cool. Alors, voilà, tout y est pour les gens, en fait. Donc, un bel aperçu visuel de votre merveilleux projet. Merci. Bravo, félicitations encore une fois
pour ce merveilleux, merveilleux projet. On va remettre à l'écran, en fait, casasuelcoronado.com. Donc, ça, c'est votre site web. Ouais. Dans le lien descriptif de l'émission sur YouTube, on va mettre le lien, en fait, de l'hôtel. On va mettre aussi votre canal YouTube. Vous êtes en train de commencer un petit canal YouTube avec quelques vidéos. Également, bon, tu as préparé des documents, justement, où tu vas apporter un peu de l'explication, de l'insight dans votre expérience, des liens. Oui, on a un blog sur le site web où je viens de poster un peu tout ce que j'ai raconté ce soir. Je devais t'envoyer le lien, je ne l'ai pas envoyé, je vais te l'envoyer. Mais si les gens vont sur le site web, dans la section blog, ils vont le trouver. Je viens juste de traduire le site web en français. Il y a encore des petits bugs parce que je n'arrive pas à rejoindre mon webmaster, mais on peut naviguer quand même. Mais c'est ça, le marketing, comme je disais, on focus sur les clients, le marketing, on travaille dessus. Excellent. Donc, ça, c'est certain. Évidemment, Jay, on va aller vous rendre visite à Coronado. Oui, c'est ça. Ce que je voulais mentionner, parce que je sais que tu as beaucoup de gens du Québécois, du network québécois au Costa Rica. Ce que les gens ne savent peut-être pas, et je ferai un post là-dessus, c'est que quand vous volez avec Copa, Copa vous donne le droit de faire une escale au Panama. Je pense que c'est pendant 6 jours maximum. Et vous ne payez pas plus cher. Là. Vous allez la faire, l'escale, de toute façon, pour aller à Saint-Rosé. Donc, vous atterrissez au Panama, vous descendez de l'aéroport, vous visitez Panama City pendant 1 ou 2 nuits, vous venez nous voir à Casasuel après, vous allez à Valle de Anton après, et vous retournez à Panama City, vous prenez votre avion, vous allez au Costa Rica. Mais pour ceux qui ont un projet d'expatriation, ben, c'est le fun. Vous allez visiter 2 pays pour le prix d'un, en fait. Donc, excellent. Ouais. Si vous avez des questions là-dessus, je suis disponible. OK, Jay, merci beaucoup. Merci d'avoir merci participé. Merci à toi. OK, gracias. OK, hasta luego. Hasta luego, amigo. OK, ciao. OK. Ciao. Alors, c'était Jay de Casasuel au Panama qui nous a parlé, en fait, de comment son rêve de s'établir au Panama est devenu une réalité. Les amis, merci d'avoir regardé en cette journée tumultueuse dans les réseaux sociaux notre première émission de la saison. N'oubliez pas, les amis, cette émission a été commanditée par International Relocation Partner avec une base au Costa Rica et au Panama. Donc, si vous avez des besoins de déménagement, donc ces gens-là peuvent vous prendre en main à partir de chez vous. Ils vont vous transporter, ils vont dédouaner, ils vont tout faire, en fait, ce que vous avez besoin. Également, nos chers amis chez Panama Facile, Sylvie Terrain et son équipe absolument extraordinaire, des gens qui peuvent vous prendre en main également pour vous accompagner, vous guider, vous conseiller dans le processus légal, évidemment, pour pouvoir obtenir une résidence au Panama. Donc, les gens de Panama Facile, Panama Punto Facile à gmail.com. Alors, un petit dernier commentaire en terminant qui nous vient de Yves Laverdière qui nous dit merci beaucoup. Les amis, la semaine prochaine, on retourne à la formule Les Francs-Parleurs, notre émission Ligne ouverte, donc lundi prochain à partir de la même heure. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Merci d'avoir regardé cette émission aujourd'hui et ce n'est qu'un au revoir. Ciao. Hasta luego. Gracias.